Bonjour, je suis la mascotte de l'Euro en Israël. Je dois donner une image positive de mon pays, mais c'est vraiment dur. Je vais vous raconter. L'UEFA a choisi Israël comme pays hôte de l'Euro des moins de 21 ans. The UEFA European Under 21 Championship will begin on the 5th of June, with the top two nations in each group progressing to the semi-finals of the tournament. The final will be held in Jerusalem on the 18th of June. En juin 2011, les athlètes palestiniens ont écrit une lettre à l'UEFA. Ils appellent à donner un carton rouge à l'état d'apartheid israélien, qui empêche le développement du sport en Palestine. Par exemple, Mahmoud Arsak, joueur de l'équipe de Palestine, a passé 3 ans en prison sans procès et sans charge. Il a fait une grève de la faim de 92 jours, avant d'être libéré en juillet 2012. Il appelle à agir pour mettre la pression sur l'UEFA. D'autres footballeurs sont en prison, comme ces deux joueurs de l'équipe d'Al-Ahly près de Ramallah. Quotidiennement, des entraves à la liberté de circulation empêchent les équipes de se retrouver pour s'entraîner et jouer normalement. Et récemment en novembre, à Gaza, 4 adolescents jouant au football ont été tués, et un stade a été bombardé. Cette attaque a causé la réaction d'une cinquantaine de footballeurs professionnels. Ils disent « Il est inadmissible que des enfants soient tués, alors qu'ils jouent simplement au football, notamment à la veille où Israël va accueillir l'UEFA des moins de 21 ans, se voyant ainsi récompensé alors qu'il commet des actes contraires aux valeurs du sport. » Quelques jours après l'attaque à Gaza, il y a le tirage au sort de l'Euro à Tel Aviv. Michel Platini, président de l'UEFA, rencontre Shimon Peres, président d'Israël. We receive a lot of letters that they were not happy, that you can imagine. But I receive the same when we are to playing the Euro in Ukraine because of some political internal problem. Platini dit, l'UEFA ne peut tenir la fédération israélienne responsable de la situation politique dans la région. Mais l'Euro est organisé par l'État d'Israël. Regardez ces lettres de soutien du président, du ministre de l'Intérieur, du sport, des mairies. Toutes ces institutions pratiquent l'apartheid. La campagne carton rouge est en place dans plusieurs pays pour faire pression sur l'UEFA. Les activistes de BDS rentrent sur le terrain, brandissant une banderole « Ne jouez pas pour l'apartheid » durant les barrages qualificatifs de l'UEFA des moins de 21 ans entre la France et la Norvège. Les activistes protestent contre l'euro pendant la réunion du comité exécutif au siège de l'UEFA en Suisse. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Déjà plus de 20 000 personnes appellent Platini à changer de pays hôte pour l'euro. D'autres actions sont prévues dans les mois à venir pour protester contre l'euro. Toi aussi, rejoins la campagne BDS et donne un carton rouge à Israël.